Avez-vous trouvé l'auteur que nous cherchions pour le premier extrait? Il s'agissait de Charles Gounod. Ce grand compositeur a séjourné à Arcachon, dans différentes villas en ville d'hiver, durant 32 ans. Cette œuvre fait partie de son chef-d'œuvre Faust, inspiré de l'œuvre de Goethe et qui exerçait une fascination sur notre jeune compositeur dès l'âge de 20 ans lors de ses études à Rome. À l'occasion de cette création, il fut contraint d'écrire un ballet. Peu habitué à ce genre d'exercice et traversé par une crise de stérilité créatrice à ce moment-là, il demanda à Saint-Saëns d'en créer un. Puis l'inspiration revint finalement, et c'est toute une création d'une très grande qualité qu'il nomma le ballet de Walpurgis, qui vit le jour, et précisément c'est la danse des Nubiennes que nous avons entendue. Elle est inspirée, cette danse, de la valse, avec des mélodies élégantes de violon, puis de violoncelle, qui permettent l'évolution gracieuse des danseuses. Aviez-vous reconnu la deuxième œuvre et son compositeur? Il s'agissait du Duo des fleurs, extrait de l'opéra L'Acmé de Léo Delibes. Je vous ai dit qu'une allée et une villa en ville d'hiver portaient ce nom en hommage à ce compositeur. Léo Delibes n'est alors âgé que de 47 ans lorsqu'il confirme sa gloire avec ce célèbre opéra L'Acmé en trois actes, en 1883. Cette œuvre narre l'amour éternel impossible entre Gérald, un officier de l'Empire britannique, et Lakmé, la fille d'un prêtre du temple hindouiste du dieu Brahma de l'Inde britannique du 19e siècle. Dans le duo des fleurs, Lakmé et sa servante chantent alors qu'elles s'en vont ravies cueillir des fleurs exotiques pour orner leur temple sur les rives paradisiaques et merveilleuses d'un ruisseau et de son étang, avant de rencontrer Gérald, dont Lakmé tombera éperdument amoureuse pour l'éternité. À très bientôt pour d'autres découvertes musicales ou artistiques. À la semaine prochaine!